Coucou tout le monde. Alors, il est 7h10. Le réveil a sonné à 7h. Je suis en congé aujourd'hui. Et j'ai mis mon réveil à sonner parce que j'ai énormément de choses à faire avant la reprise du travail demain. Et puis bah aujourd'hui, je vais vous filmer une journée avec moi. Donc déjà, la journée a commencé à 7h. Voilà, avec 10 minutes où j'ai écouté les informations, parce que c'est la radio qui me réveille, moi. Donc j'ai écouté les informations, j'ai écouté un petit peu de musique, j'ai fait mes petits étirements dans mon lit pendant 10 minutes. J'ai toujours une tête à faire peur, mais ça c'est pas grave. Le programme de la journée, faut que je défasse mon sapin de Noël. On est maintenant là le 5 janvier, donc du coup je vais l'enlever. J'ai des coups de téléphone à passer, j'ai des vidéos à tourner. Je vais peut-être en tourner deux ou trois, comme ça j'en aurai d'avance. Parce que comme je reprends le travail demain, ça risque d'être un petit peu la course. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Faut que je fasse aussi des photos de mon corps. J'ai vu que j'ai commencé le régime il y a 5 jours et j'ai toujours pas pris de photos de moi pour essayer de voir un petit peu l'évolution du changement physique. Si toutefois j'arrive à y arriver, voilà, si j'y arrive. Qu'est-ce que je devais faire d'autre? Ben, un peu de ménage, l'aspirateur, un peu de rangement. Je voulais faire une lessive de drap. On va voir si la lessive d'hier est sèche pour pouvoir prendre la place. Et puis qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Un petit peu de course, mais vraiment très rapide, à Leader Price et les promos Leclerc. Et puis bah, ce soir, si le temps le permet, parce que là j'ai entendu à la radio que il faisait moins 2, mais avec le vent on ressentirait entre presque moins 10. Donc à mon avis ma voiture va être bien congelée et peut-être moi aussi. Mais si effectivement le soleil se lève cet après-midi, j'irai distribuer mes petits prospectus à la sortie de Carrefour Market dans le village, enfin dans la petite ville où se trouve mon institut, pour pouvoir faire ma petite pub. Sinon quoi d'autre? Bah c'est tout quoi. C'est déjà pas mal. Donc là je vais me lever, je vais sortir le chien, on va sortir ma gousse de lit qui doit être en train de roupiller. Parce qu'elle a eu pendant 4 jours, 5 jours même depuis le premier, enfin 4 jours non. Depuis le premier, il y a Simon qui est là tous les soirs. Donc ce qui fait qu'elle n'est pas, enfin, elle est pas tranquille entre guillemets. Elle veut profiter aussi de lui. Donc elle dort pas. Donc voilà, ça lui fait quand même des grosses journées, des grosses soirées où moi j'étais là. Et où Simon était là. Donc du coup, elle n'a pas beaucoup roupillé. Là j'entends qu'elle est en train de se lever. Ouais, j'entends qu'elle est en train de s'étirer, tout ça. Donc ça va. Je ne vais pas la réveiller parce que je sais que par exemple hier je me suis réveillée. Il était 9h30, elle était encore la tête dans le derrière et puis elle dormait encore dans ses plaids. Donc voilà, je vais donc passer la journée avec vous. Je vais essayer de vous filmer des choses pas tellement intéressantes, mais que vous voyez un petit peu une journée congé, type qu'est-ce que c'est. Puisque mis à part filmer une vidéo, faire mon ménage, mes courses, mon rangement, voilà, je vais faire un petit peu de sport également. Je sais pas si je vais vous filmer ça. Je vous fais donc des bisous. Bon bah voilà, il est 8h30, je vais m'atteler à démonter le sapin. Voilà, je l'ai allumé ce matin pour la dernière fois. Donc on est le 5 janvier, j'ai petit déjeuner pour la dernière fois avec mon sapin allumé. Et voilà, c'est la dernière fois qu'il est ici dans cet appartement. Puisqu'en ce début d'année, on va chercher un appartement avec mon amoureux. Donc du coup, l'année prochaine, normalement, il devrait être dans notre futur chez nous. Donc là, voilà. Une dernière fois, on lui dit au revoir sapin, à l'année prochaine. Bye bye. Et voilà, a plus le sapin. Oh, c'est fini les fêtes, c'est fini Noël. Donc là, ça fait super vide. Faut que je réaménage ça. Puisque j'aime pas trop comment ça rend en fait. Donc je vais voir ça. Peut-être ma table de massage, je la mettrai de ce côté là-bas, je sais pas. Je vais bien trouver pendant cette journée maison. Et puis je vous disais qu'aujourd'hui il faisait moins quelque chose. Regardez,
Les voitures, elles sont toutes gelées. Les toits sont tous gelés. Hop. Donc heureusement que je vais pas bosser aujourd'hui parce que franchement j'ai la rame de gratter. J'aurais pas aimé gratter aujourd'hui. Bon, je sais que demain il faudra que je sorte sans doute un petit peu plus tôt. Et la grosse dolly, bon ça oui c'est mes éclairages, du coup je vais peut-être pouvoir les démonter et puis voir un peu comment ça marche. Parce que vous voyez, ça fait 10 jours déjà que je les ai. J'ai pas encore pris le temps de. Donc voilà, vidéo été. Et la grosse qui fait dodo. Et là je vous ai préparé, donc là c'est le tag de mes plaisirs, enfin pas le tag, la vidéo des petits plaisirs du mois de décembre. Là je vous ai sorti toutes mes palettes pour vous les montrer parce qu'on m'a demandé de faire effectivement une vidéo sur toutes les palettes que j'ai. Voilà, j'ai commencé un peu à préparer de quoi filmer aujourd'hui. Mon carnet de rendez-vous est là aussi au cas où j'ai des appels aujourd'hui que je puisse vite prendre des rendez-vous. Et puis voilà quoi, bon bah à tout de suite, bye. Hey, alors... Quelle heure est-il? Il est midi, donc je viens de mettre des choses à cuire, je vais vous montrer ça. Puisque comme j'ai petit déjeuner ce matin à 7h30, j'ai un petit peu la dalle. Donc voilà, j'ai rangé tant bien que mal, voilà ici, vous voyez ma table de massage avec mes deux trucs pour le jardin. Et puis bah là du coup c'est mes éclairages, donc comme tout doit tenir vraiment dans un petit sac, du coup ça ira derrière là. Ça ira très bien, mais donc du coup je voudrais quand même les essayer puisque ça fait 10 jours comme je dis que je les ai et bah, je les ai toujours pas testés. Voilà, j'ai un petit peu rangé le bordel, donc là il y avait du bordel ici, au final bah, je l'ai mis là le bordel, comme ça ça fait plus de passage. Je vous ai tourné là une petite vidéo, donc là maintenant je vais manger deux en regardant des vidéos. La grosse elle fait toujours dodo, hein Dolly la roumaine, Dolly. C'est Dolly la roumaine, bah oui, elle est fatiguée. Et puis voilà, bah cet après-midi, je vous fais une vidéo, voilà, vu qu'il fait un temps plutôt clair, je vous fais donc une vidéo sur mes palettes, à côté du lit chauffage à Dolly. Voilà, là ce soir, j'ai préparé maillot de bain parce qu'il faut que je vous fasse des photos de moi en maillot de bain pour vous montrer un petit peu tous mes bourrelets. Et donc là, je me fais chauffer, voilà, le menu ce midi, ça va être steak de saumon. Là. Je vais les retourner, parce que ça fait un moment que c'est de ce côté-là, même si je le fais un peu à feu doux. Après, ma porte d'entrée. Ce que j'ai fait moi ce matin, j'ai fait la lessive des draps, donc c'est en train de sécher ici. Et de donc sécher sur ma truc de douche hein, et sécher là sur mon porte-serviette. Donc là vous avez le drap housse et là vous avez les oreillers, enfin les têtes d'oreiller et là la housse de couette. Et j'ai également plié mon linge qui se trouve là, voilà. Mon petit linge propre. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Donc je vais aller retourner mes steaks, je vais aller manger, je vais regarder des vidéos pendant que je mange et puis bah après je vais tourner la vidéo des palettes. Je vais sans doute sortir la chienne et je vais vous sortir aussi. Alors je vous avouerai franchement qu'aujourd'hui j'ai la super rame de sortir. Donc pour l'instant on va pas dire que je sors, je vais juste sortir la chienne parce qu'il faut bien qu'elle fasse soupissou. Mais c'est tout quoi, à tout à l'heure. Hey, alors je me suis assise dans le canapé. Et je me suis assoupie pendant une demi-heure en fait. Ouh là là. C'est à cause de cette météo là. La météo elle est complètement... Il fait froid, il fait mouillé. C'est nul ce matin, c'était tout givré. J'avais prévu de faire plein de trucs aujourd'hui. Bon j'ai fait plein de trucs chez moi. J'ai enlevé le sapin. J'ai rangé pas mal de trucs. J'ai tourné 4 vidéos. 4 vidéos il me semble. Voilà, il me reste à faire encore les gamelles pour la semaine. C'est plus pratique quand on est au régime d'avoir déjà des trucs de prêt, surtout quand on est quand on n'a pas le temps le soir. Voilà, je sais très bien que demain je vais rentrer, il va être 19h30 et j'aurai pas envie de faire à manger. Donc plutôt que de manger n'importe quoi, même si j'ai plus n'importe quoi dans mes tiroirs, dans mes placards, je vais déjà voilà, préparer les trucs que j'ai juste à mettre au micro-ondes pour réchauffer, puis c'est bon. Et les midis, c'est pareil. Pour pas être tentée d'aller acheter une cochonnerie, pardon. Je vais me préparer mes gamelles que j'aurai juste à faire réchauffer au boulot. Voilà, ça sera parfait. Faut que je passe l'aspirateur. J'ai fait déjà une lessive. Je sais pas si j'en fais une deuxième, mais là il reste ma housse de couette à sécher. Les têtes d'oreiller sont déjà
sèches. Sont déjà sèches et je les ai déjà remises là-haut. J'ai le drap housse qui est sec aussi, il faut que j'aille le remettre. Mais la housse de couette, je pense qu'elle ne sera pas sèche pour ce soir. Donc je vais dormir avec la couette sans la housse hein, ce soir, tant pis. De toute façon, je dors pas à Walpé, moi je dors en pyjama, pardon. Donc c'est pas très grave, j'ai pas la peau en contact de la couette. Et puis là, je vais aller promener le chien. On va voir si elle a envie. Dolly, tu veux faire pipi? On va aller promener? Tu veux qu'on aille se promener? On n'a pas l'air d'être motivé non plus, hein. Mais je voudrais qu'on sorte, parce qu'après, je voudrais réellement me poser, enfin, passer l'aspirateur. Hein, on va aller faire pipi? Ben ouais, mon chien. Oh, elle est fatiguée aussi, hein. C'est cool, hein, on baille devant les gens. On est des malpoliches, nous, ben ouais. On est des trop malpoliches. En plus, il fait nuit. Ah, il est 3h moins le quart et voilà, on est fatiguées toutes les deux. Ben, je voudrais quand même faire tout ce que j'ai à faire à la maison là. Je voudrais quand même. Ben, il faut absolument que je fasse mes gamelles et puis passer l'aspirateur. Voilà. Et puis après, je vais vous mettre une vidéo en ligne parce que c'est vrai que ça fait une semaine que j'ai pas posté et il y en a quelques-unes qui commencent à s'inquiéter. Même si tout va bien, hein, bien sûr, mais juste que je suis une grosse feignasse. Alors je vous disais, oui, effectivement, j'avais plein de choses à faire et je devais aller faire quelques courses. Mais au final, je m'aperçois que pour cette semaine, du moins pour aujourd'hui et demain, j'ai ce qu'il me faut. Donc voilà, je vais pas sortir la voiture exprès pour aller en plus dépenser de l'argent. Demain, enfin j'avais prévu aussi d'aller distribuer des prospectus à Carrefour Market. Je me dis c'est pareil. Je pense pas qu'il va y avoir foule de monde qui va y aller. Peut-être ceux qui vont sortir chercher leur pain, etc., à la sortie du travail. Mais au final, je me dis, pour l'instant, j'ai pas de rendez-vous demain non plus à l'institut. J'ai le téléphone sonne pas du tout aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que bah, demain, quand j'irai bosser, je pense que j'emmènerai aussi les produits finis et je vous ferai la vidéo là-bas. Ça m'occupera. Et que bah, du coup, là-bas, je verrai peut-être à l'heure du midi, j'irai faire ma petite distribution à Noz parce que juste à côté, il y a Noz. Et puis bah, la sortie aussi du boulot à 18h, je pense que j'irai direct à Carrefour Market qui est juste à côté. Comme ça m'évite de faire 15 000 allers-retours pour que dalle. J'irai m'acheter 2-3 conneries, par exemple j'ai envie de fromage blanc à la vanille et des œufs, voilà, pour aller dans le régime. Je pense que je vais faire ça, ouais. Aujourd'hui je vais pas sortir la voiture, comme ça va éviter d'user de l'essence. Et puis bah, demain je vais au travail, je vous tournerai une vidéo sur place. Et puis après, le midi, bah, j'irai distribuer mes petits papiers à Noz. Et le soir, j'irai distribuer mes petits papiers à Carrefour Market. Et puis dans Carrefour Market, après, j'irai acheter des œufs et du fromage blanc. On va faire comme ça. Donc là, du coup, je vais sortir. Enfin, du moins, je vais essayer de sortir la grosse. Je vais mettre son pull parce qu'il fait pas chaud. Ce matin, j'ai mis le pull, mais elle était tellement fatiguée qu'en fait, j'ai mis plus de temps à l'habiller et m'habiller moi-même que le temps qu'on est sorti dehors. Donc là, je vais essayer de la sortir, comme ça je vais être tranquille après, pour faire mon ménage et mes gamelles. Voilà, vie passionnante. À toute. Oui, on a équipé toutes les deux. J'ai mis le petit pull à mon chien, comme ça il aura bien chaud. Oui, tu t'entends du bruit, on va y aller. Donc là, elle a l'air d'être motivée pour aller se promener. Elle est équipée. Je suis équipée aussi. J'ai mon super bonnet. J'ai ma tenue en fait pour promener le chien, c'est souvent comme ça que je m'habille quand je promène le chien. Je vais aller jeter un truc et puis je vais aller prendre l'air un peu, marcher, ça va me faire du bien, moi ça va sans doute me réveiller. Mais je vous emmène pas avec nous puisque j'ai pas envie qu'on me voit filmer et puis en plus je vais vous filmer 2 secondes et après je vais me promener pendant 1 heure avec mon appareil. Donc voilà, je me suis pris un petit Kit Kat parce que je pense que ça va être un favori de ce mois-ci, un Kit Kat à la menthe. Seulement 2 calories pour une petite pastille. Tic-tac, pas Kit-Kat. Tic-tac. Puisque là, je fais le régime du camp, hyper protéiné. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on sent mauvais de la bouche. Voilà, donc même si on se brosse les dents, au bout d'une heure, vous sentez de la bouche. Donc du coup, le tic-tac va devenir mon ami. Mais pas trop non plus, parce que 2 calories c'est bien, mais 2 calories tout le temps, ça fait beaucoup de calories à la fin de la journée. Donc je vais essayer d'en prendre juste un dans la matinée et un dans l'après-midi, histoire de ne pas faire fuir les clientes. Bon, je vais sortir la grosse et puis je reviens faire mon ménage et ma cuisine. Hey! Alors, j'ai fait mes petites gamelles que j'ai mises
Juste là, 1, 2, 3, 4, j'en ai 5. Donc là, du coup, j'en ai pour le midi. Mais après, je vais sans doute en refaire tout à l'heure, si je suis motivée, avec du tofu, des crevettes et des germes de soja. Voilà, là, c'est la partie de mon amoureux, avec du chorizo et du jambon. Voilà, sinon, c'est du poisson, des steaks de poisson. J'ai ma réserve de surimi, j'ai mon soja, mes saucisses de tofu. Voilà, mais mon tofu fumé et mon tofu, comment dire, nature. Et donc là, c'est l'étage de mes gamelles. Donc pour l'instant, j'en ai que 5, mais pour l'instant, on va dire que ça va être le midi. Le soir, au pire, je sais que demain soir, je vais sans doute manger surimi ou alors de la truite fumée avec un carré de fromage frais. Voilà, j'aviserai pour le soir de manger des trucs froids comme ça ou éventuellement une soupe miso. Mais voilà. Donc j'ai tout rabattu, j'ai enlevé tous les tapis par terre et j'ai sorti l'aspirateur. Et la grosse Dolly, elle veut l'attaquer. Je vais vous montrer un peu ce qu'elle fait quand l'aspirateur est dans le quartier. Voilà. Voilà. Ma Dolly aime pas l'aspirateur. Dolly, tu le laisses tranquille, il t'a rien fait. Voilà. Il est tombé, tu as tué. Donc je vais passer l'aspirateur dans ma maison parce que c'est dégueulasse. Parce qu'à force de rentrer et sortir, surtout avec elle, et ben au final, ma maison est super crade. J'ai passé l'aspirateur quand samedi, on est lundi. Non, peut-être vendredi. Je l'ai passé vendredi l'aspirateur et aujourd'hui on est lundi et c'est aussi dégueulasse que si j'avais rien fait vendredi. Donc je fais ça, après je range tout mon bazar, je vous charge une vidéo, parce que ça fait un moment que je vous le dis, mais voilà, et on continue dans ma journée de vie passionnante de femme au foyer. À toutes. Hey! Alors là, il est 7h30, je sors tout juste de la douche, vous voyez. Je ressemble toujours pas à quelque chose. J'ai ressemblé un peu à quelque chose cet après-midi, puisque je m'étais maquillée pour filmer des vidéos. Dolly n'a toujours pas bougé. Voilà, elle est toujours là, dans ses plaids. Bon, moi, je me suis mise un peu devant la téloche. Ils ont remis Grey's Anatomy sur quelle chaîne? La 11, je crois. Ouais, c'est ça, sur la 11. Avant, c'était Ghost Whisperer. Et là, maintenant, ils ont remis Grey's Anatomy depuis le tout début, tout début. Donc, je regarde parce qu'on est lundi et que bah, je suis là. Mais sinon, habituellement, ce sera l'heure où je rentrerai. Donc, c'est en train de se terminer. Et puis là, à côté, je suis en train de faire mon montage, enfin, mon collage de vidéos que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Et puis, je commence un petit peu à avoir faim. Donc, je pense que je vais aller me préparer à manger. Ce soir, qu'est-ce que je peux manger? Je crois que je vais manger une des boîtes que j'ai fait aujourd'hui parce que j'ai la flemme de faire quelque chose. Ça va être ça, je pense. Ouais. À moins que je mange du surimi avec une soupe miso, peut-être. Je vais faire ça. Une soupe miso, du surimi avec un kiri. On va se faire ça. Voilà. Donc après, il n'y a rien de spécial. Ce soir, j'ai vu qu'il n'y avait rien à la téloche. Donc. Là, mon montage, il y a marqué qu'il faut 2 heures. Donc, on va bien voir si ça met réellement 2 heures. Mais comme je n'ai rien d'autre d'ouvert que le logiciel de montage, j'espère que ça va aller un peu plus vite que 2 heures et que d'ici 1 heure, voire 1 heure et demie, bah, ce soit torché et que je puisse passer ma soirée à regarder les vidéos parce que j'ai vu que j'avais reçu 10 vidéos depuis milieu d'après-midi. Donc, ça va peut-être me faire ma soirée. Sinon, après, bah, je m'endormirai devant Crime sur la 12. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vous fais de gros bisous encore. Et puis je vais aller me faire à manger. Je crois que je vais faire ça. Ouais, une soupe miso et surimi kiri. Bon repas, ça. Bien sympatoche. À toute. Hey! Alors, il est 10h. Je viens vous dire bonne nuit. J'ai regardé quelques vidéos. La grosse Dolly, je sais pas si vous la voyez. Non, vous voyez juste un gros fond noir, mais elle en peut plus. Je lui ai proposé de sortir, elle ne veut pas sortir. Donc je m'attends à avoir un pipi sur la serpillière demain matin. Mais voilà, elle a l'air d'être trop crevée. La vie est trop difficile. Donc moi, pareil, je sais pas, j'ai pourtant pas fait grand-chose. Enfin, si, j'ai quand même été beaucoup active ici. Là qu'elle se lève, parce qu'en fait, je cause et elle ne sait pas à qui je cause. J'ai été active dans l'appartement, mais par contre, voilà, tout ce que je devais faire en extérieur, je ne l'ai pas fait. Mais je sais pas, je me sens super fatiguée, donc peut-être parce que je me suis levée tôt alors que c'était un jour de congé.
Voilà. Donc là, je vais aller bouquiner un petit peu un des bouquins qu'Emma m'a offert, d'Agatha Christie. J'ai commencé celui d'Agatha Christie. Et puis, je vais me laisser partir emmenée par le marchand de sable. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit et puis je vous dis à plus.